Prenez quatre équipes de pêcheurs et mettez-les au défi dans l'une des plus belles destinations du Québec. Vous obtiendrez de superbes poissons, de l'émotion. Et comme toujours, une bonne dose de niaiserie. On va la noyer. Bienvenue au défi des régions. C'est la finale. Le défi des régions est une présentation de votre centre du sport Lac-Saint-Jean, de Hyundai du Royaume, des leurs malades de pêche, du délicieux gin canopé, de la microbrasserie Riverbend, du magazine d'aventure Chasse et pêche, ainsi que du dépanneur DM de Dolbo Mistassini. Nous sommes de retour au domaine des Trois-Îles pour la finale. Et hier, après la pêche, la tourtière du dépanneur DM Dolbo Mistassini, surnommée la tourtière harmonique, fut très appréciée de nos pêcheurs. C'est bon, Yves? Que oui. Mangez une excellente tourtière du lac Saint-Jean. Oui. Merci, Monique, ta tourtière. Tout le monde l'adore. Elle est vraiment bonne. Excellente. Moi, je connais pas Monique, mais je connais sa tourtière. Chapeau à Monique. Le canopé et la Riverbend étaient également très appréciés, mais la modération a bien meilleur goût. Bon, le monde était plus relax hier. T'es plus tranquille. Ouais, c'est ça. Nos champions d'hier se sont couchés tôt. Plus tranquille un peu, je crois. T'es plus tranquille, ça vient le soir. Ouais. On a pris deux petites Riverbend, fait ça, un petit gin canopé. Pour une deuxième fois, nos gars de la construction étaient au lit avant le coucher du soleil. Deux jours sans y voir. Le capitaine de Blanbrière-Maurice puis son équipage. Moi, je vais te dire que m'inscrire un tournoi de pêche pour dormir le trois quarts du temps, je ne m'inscrirai pas l'année prochaine. Moi. Non. Tu cours tout de même. Mais je suis couché de bonheur. 4 heures, t'es couché. De bonheur. 4 heures, t'es couché. Si on se lève à 20 heures le matin, on veut gagner. On est prêts! On était crinqués, mais il faisait fret, là. Il ventait, c'était quasiment 8 à 9 degrés de moins que la veille, là. Fait que soute de pluie, bottes, les culottes, crinqués à bloc. Maintenant, on est prêts. Tu veux, on a mis notre truc? Ben, nous, on se lève le matin dans le but de remporter la compétition. On est à deuxième. Camping Saint-Louis sont en bonne position pour l'emporter. Mais pour commencer, il faut monter dans le bateau. J'ai pas l'impression que Luc va geler aujourd'hui, moi. Le centre du sport à Lac-Saint-Jean est pas mal plus en forme qu'hier. Beaucoup plus en forme. Physiquement et psychologiquement. Le canopé avait été moins développé la veille. T'es en forme le matin. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini. Quand on a embarqué dans le bateau ce matin, l'écart était tellement peu significatif qu'on avait tous des chances de gagner. Ben oui, c'est le flow qui a feu blanc de même, c'est les gars. C'est merveilleux, hey. On l'a pas reconnu. Mais on avait oublié que c'était les derniers hier, puis c'était fait maquiller. On minimise les conséquences. Quand il va avoir l'air dans 30 ans, pas si pire que ça. OK, la gang, c'est l'heure de la finale! Nos pêcheurs sont à fond de train en direction du lac Saint-Jean, et c'est maintenant le temps. Des règlements! Nos équipes auront seulement 4 heures de pêche pour capturer de la wananiche. Une wananiche vaut 5 points plus 1 point par pouce. 10 points bonus pour la première, 10 points bonus pour la plus grosse et 10 points bonus pour le plus grand nombre. On est parti! C'est quoi le plan de match, Camping Saint-Louis? Tintinri de taillon. Ben, on avait pogné une belle hier à la fin de la journée. Bonjour! La plus grosse de la journée qui a rapporté 40 points! Les gars du Centre du sport Lac-Saint-Jean ont bien l'intention de demeurer champions. Le plan de match, c'était d'aller à Saint-Henri-de-Taillon. On a une position de défense. On va à Saint-Henri-de-Taillon dans nos spots habituels. Ça va brosser dans ce coin-là, les boys. Peu importe la météo, on se rend. Anyway, sur Lac-Saint-Jean, quand que ça brosse, ça brosse. Le tout pour le tout. De leur côté, nos constructeurs jouent de prudence et optent pour Mastoyache ou en français, pointe bleue. La petite bière comparée à hier. Ça brosse moins, mais Patrick est moins confiant. J'aurais bien aimé retourner mon spot de pêche au départ parce que moi, je sentais la pression des autres compétiteurs. Je voulais pas manquer mon coup. Mais là, on avait vécu déjà une journée assez violente de vagues. J'ai demandé aux gars, est-ce que vous assumez vraiment cette affaire-là? Parce que je vous le dis, on va éviter de la vague, mais on va peut-être manquer des prises.
Équipe Canopée, il me semble que vous allez dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le départ. On met le gaz au fond. Puis il y a de l'eau qui rentre au fond. Pas la plug. On a vécu ça. Fait que lui, il a fallu revenir. Il m'a dit comme le gars, il nous manquait des cheveux gris. On en a rajouté. Tu me fais peur des cheveux gris, mon gars. Bateau sur le quai, je descends en urgence, c'est le trailer. Ouais, je veux dire, comme Piton Ruel disait, il n'y en aura pas de facile. Alors, on a repris les soins de la plug, on est reparti. L'équipe Canopée sont finalement en route alors que les constructeurs débutent la pêche. En pêchant en mastoyage, les gars gagnent un bon 45 minutes de pêche sur les autres. À l'abri des vents, plus de temps de pêche. Bien, tout est à l'eau. Dès qu'on est arrivé, rentré dans la pointe de mastoyage, puis on a commencé à avoir de la parlant, on a vu des poissons, du mouvement dans l'eau, puis c'était très rapide, ça bouge extrêmement. Déjà une pour nos constructeurs! T'es fait pour le net? Les gars sont en feu! On est crinqués, là. On voulait encore pogner notre première, là. Puis on voulait nos premiers 10 points. C'était important pour nous autres. Ouais, là! On vient de la tape, papa! Oui, c'est décevant. Mais surveille un peu ton langage, Dan. Mon con! Daniel, c'est un petit nerveux. 30 minutes plus tard, Centre du sport Lac-Saint-Jean s'installe à son tour. Donc, présentement, on a monté, on a fait une bonne heure de bateau. Il y avait de la vague. On a monté de Saint-Vulicien à Saint-Henri-de-Corillon. Fait un waypoint tout en arrivant. Puis on a vu du bait, plus de bait qu'on a vu hier à Mastoyache. Là, on est allé avec le même montage qu'hier qui a rapporté quelques Wananis. On est monté avec des flasheurs avec du vert puis une moisture avec du bleu. On commence avec ça. Puis en tricheuse, on a mis une cuillère à rentre. Les lignes sont à 25 pieds du boulet. Puis on pêche à peu près à 15 pieds de profondeur. Dans une zone de 20 pieds, là, on est encore en prospection. C'est ça. On espère bien de pogner une belle grosse wawa. On vous montre ça tantôt. Il y en avait du poisson. Là. C'est plus qu'il fallait trouver comment le faire mordre. Camping Saint-Louis est dans le même secteur. Confiant, Jean-Marie? Mais je pense bien que ça devrait cogner dans pas long. La vitesse est bonne. La pleine lune s'en vient. Là. Ça devrait mordre aujourd'hui. Là. On va s'en reparler dans 5 minutes. Hey, on a pogné quelque chose de gros. Hey, là. Fichon! Fichon! Ha, ha! Lenette! Robin, chauffe! Robin, chauffe! Une Wananich ou un doré? C'est quoi qu'on a? J'espère que c'est une Wananich. Ah, calique! Un doré. Monsieur Luc, on le garde. Un beau doré. Camping Saint-Louis est quand même heureux de sa première capture. Centre du sport Lac-Saint-Jean et les constructeurs travaillent fort. Ouais, c'est fait une belle pratique. Alors que Jim Canopée est toujours en direction de leur spot d'hier. Qui attrapera la première Wananich? Tu cherches la meilleure place pour ton nouveau bateau? Le Centre du sport Lac-Saint-Jean a celui qu'il te faut. Les meilleurs conseils, de l'équipement à la fine pointe, Garmin, Hummingbird et Midcota, du poisson, tu vas en prendre. Double champion du défi des régions, Mathieu et son équipe connaissent la pêche. Au Centre du sport Lac-Saint-Jean, on n'est pas pire à la pêche, mais on est encore meilleur en magasin parce qu'au Centre du sport Lac-Saint-Jean, un choix intelligent! Du 10 janvier au 31 juillet 2022. Courez la chance de gagner 5 000 $ de l'heure de pêche Malade de pêche. Deux façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des Malades de pêche ou achetez un produit Malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, il est beau! Le printemps est enfin arrivé et l'eau nous appelle. Chers amis pêcheurs, toute l'équipe des Gin Forestiers Canopée aimerait vous souhaiter une excellente saison de pêche. Cheers! Le lac Saint-Jean est déchaîné et l'équipe Gin Canopée est forcée de prendre à nouveau une petite pause. C'est pas facile aujourd'hui. J'ai eu la difficulté avec le toit, mais disons qu'il ventait un peu puis il y avait de la vague. Là. C'était une journée de pêche qui demandait là, un certain effort. Là. Tu travailles bien avec tes ongles noirs. Hey, tu devrais prendre ça en gros plan là, pour qu'on voit bien ma manicure travailler. Dave a de véritables doigts de fée. Oh, celle-là... Dan des constructeurs est déçu d'avoir perdu la première Wananich. Maudit, elle s'est décrochée. Pense à ton langage la prochaine fois. La maudite, là. Oh, c'est mieux. Pense à rester calme aussi. Hé, hey, va voir! T'es nerveux. On va aller encore, les gars! Il y
Il a l'air d'avoir du poisson dans ce coin-là. Écoute, ça me dit que c'est des feux d'artifice dans ce rabat. À gauche, trou bleu, patte, c'est la providence! Ah, vient de me parler! Encore! Centre du sport Lac-Saint-Jean aussi est dans le poisson. Ça, c'est beau, on voit des arcs dans les verlans de mer. Mais quand l'arc est dans le banc des perlins comme ça, elle est en mode chasse, puis nous autres, on est des chasseurs! On est le prédateur dominant dans le territoire, mais là, il faudrait rien que ça mourde. D'autres, la technique qu'on aime bien utiliser, c'est toujours faire le S avec le 8 pour revenir tout le temps sur le même point. Là, on pouvait pas trop avec la vague. Fait qu'on naviguait avec vague qui arrive en arrière du bateau pour garder la bonne vitesse parce que quand la vague arrive contre nous, le bateau il est terriblement ralenti. Mathieu, il donnait du gaz, il en enlevait, il en donnait. Pour essayer tout le temps de garder une vitesse de 2,8 à 3,5 000 à l'heure. Wow! C'est pour ça que nous, on prend pas beaucoup de doré. Fish! Yes, sir! C'est pas mal plus gros qu'hier. À plomber, faut-tu la tasser? Ben, vous voyez ça un peu, c'était pas sûr. Vraiment pas facile de combattre le poisson avec de pareilles conditions. Elle est loin. Tu me dis quel bord virer si tu veux que je vire, OK? On fait plus qu'hier, hein? Il y avait un beau combat. On savait qu'on avait quelque chose d'un petit peu plus gros qu'hier. Bon bâtif, hein? Oui, Marc. On a des travails d'équipe aujourd'hui. Puis c'est sûr que dans la vague, tout le monde est important, autant lui qui va aller sur le net que l'autre, faut qu'il tienne le volant parce que tu lâches le volant 2 secondes d'une vague de même puis tu perds tout. Pas une grosse, ça, mais... Et voilà une loi d'aniche qui donne 10 points bonus pour la première. Vous savez qu'on avait un beau poisson pour... Pour la circonstance, vu les conditions extrêmement... On fait du shooting avec pas grand-chose dans les mains. Gin Canopé s'installe enfin. Pas de temps à perdre. Dave a mis la ligne plombée en premier parce que c'est encore la plus rapide. Pendant que moi, j'installais le Donne-Régard. On a mis la dépsie sur le côté. Puis là, Yves, Captain Haddock, là, il n'avait pas son argent. Puis là, on avait le vent dans le dos. Ça l'allait bien. Jusqu'à ce que... Hey, Phil, ça mord. Live. Wow! Quand la ligne sort comme ça, c'est assurément un très gros poisson. Le fil ne tue pas, continue à régler ça, puis on arrive... Il restait plus rien. Il restait plus l'argent. Elle pète la ligne, carrément. Il y a plus de mouche. La Wananiche vient de briser un avançon de 25 livres. Là, tu réalises que le lac Saint-Jean, il y a des monstres là-dedans. 25 livres test, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Avec du gros poisson dans les parages, les gars s'empressent de remettre leur ligne à l'eau. T'as un poisson, Jean-Marie? On va faire un petit doré, là. On rile. Un petit Wananiche. Eh, monsieur! C'est pas gros, ça! En rentrant dans ma main, quand même, la tête là, la queue là, 8 pouces. Et là, c'est là, il dit, c'est la longueur de mon pénis. Un gars dans ma main! Yo. Jean-Marie nous en apprend un petit peu plus sur son anatomie. Centre du sport Lac-Saint-Jean et Gin Canopé tentent de s'ajuster aux conditions de plus en plus difficiles et nos constructeurs veulent demeurer premiers et changent de l'heure. On va s'accorder, ouais, ça n'aurait pas de quoi d'autre, on pourra essayer. À 2 pas de la route nationale, le centre de villégiature Marina Chibougamau vous offre une nature aussi généreuse qu'accessible. Nos luxueux chalets offrent tous les services dans un confort qui comblera vos attentes. Le centre de villégiature Marina Chibougamau met à votre disposition une rampe de mise à l'eau, un quai sécuritaire ainsi qu'une foule d'activités. En camping, en chalet ou dans notre spacieuse salle de réception avec vue, le centre de villégiature Marina Chibougamau saura vous séduire en toute saison. Du 10 janvier au 31 juillet 2022, courez la chance de gagner 5 000 de l'heure de pêche Malade de pêche. 2 façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des Malades de pêche ou achetez un produit Malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, il est beau! Le sonar de nos constructeurs est plein de poissons. Mais c'est pas facile de les faire réagir. Ils sont bleus, là, visuellement, c'est quelque chose ça, qui fait tout le temps. On change les couleurs, il n'y a rien qu'on fait pas. Un peu plus, je vais me rentrer la tête dans l'eau pour voir ce qui se passait. Ça mord. Oh. Sentez-vous la fin qui approche, centre du sport Lac-Saint-Jean? On est même pas réchauffé encore. Voilà, moi, je vais me prendre un beau gin canopé, tu vois, ça va remonter le moral, ça va réchauffer le bateau. Un laps de temps que ça a été tranquille. On était 2 heures comme il faut que...
Puis vous autres, Camping Saint-Louis? Ça se passe tranquille, c'est assez tranquille. On a pogné un petit fond d'année, j'avais eu bouche. Les autres, ça allait tranquille, on a pas reçu grand photo. Après, c'était la grosse prise de journée. En une! C'est pesant! Elle se débat pas gros, mais c'est gros! Jean-Marie est choqué. Tiens, venez de pêcher ton arbre. On est ton arbre. Non, mais je voulais me faire du bois de poêle aujourd'hui, puis j'ai, à la place, je suis venu à pêche. Et pour une deuxième fois, l'équipe Jean Canopé est en direction du domaine des Trois-Îles. Que c'est qui se passe encore? Puis malheureusement, dans l'équipe, on a un qui est un peu plus faible que l'autre. Le bateau était rendu peut-être avec deux pêcheurs, un chasseur. Ouais, tout ça pour dire que nos marées d'eau douce sont maintenant au bord, dans tous les sens du terme. On est premiers arrivés au bord. Centre du sport, Lac Saint-Jean en ont une. Là, on a eu un vrai fichon, sans aucun doute. Ça, c'est gros! Très gros! Quoi sérieux, les gars? Là, ça rigole même pas. Le poisson prend de la ligne et ça veut pas venir pantoute. Le poisson a commencé à prendre du fil. Puis là, j'étais pas capable de le reeler. Puis là, on les a fait attention. Et on a notre belle wananiche. Faut pas l'échapper, hein? Je savais que ça allait faire. À un moment donné, la ligne est venue molle. Moi, j'ai dit, hop, le poisson s'en vient vers nous. Là, je me suis mis à reeler extrêmement vite. Hop! Hop! Non! Là, on s'est aperçu qu'on n'avait plus de poisson. Puis là, étrangement, on avait un éperlan sur la moucheture. C'est assurément pas ce poisson-là qui tirait comme ça. Non, ouais, ça donnait des coups de tête. Ça ramenait pas. C'est pour ça qu'il y a des planches de là. Minimum, moi, je dirais 4 lits. On va se pouvoir s'inventer toutes sortes d'histoires. T'as bien dans 5, 6 ans, 17 à avoir 7, 8 lits. Ouais. Au moins, il y a de l'action dans le secteur. Ils sont venus voir, ça paraît vous. Ils sont au travers des lignes. Tout le temps de même un peu, OK? Ah ben, tout le temps, t'as une nez par là. Pas encore une branche, mon Luc. Ben, ça fait, mais comment cette année d'être un gros branché. Et pour moi, c'est mon année qui ça sort de l'eau. Et c'est le doré qui est sorti, puis il flottait sur l'eau. Là, c'est un doré qui t'a pogné par en dessous. C'est un maudit doré. Moi, comme j'ai dit hier, je suis pas un expert dans la pêche de mon année. Ça a l'air que quand tu pognes une doré, c'est parce que t'es passé vite. Fait que si on dit ça, ceux-là qui le savent pas, là, on l'a pris hier. C'est moins 1.8. On a monté à 3.1, puis on a crié après notre pilote pour retenir le suffix. Au moins, cette fois-là, ça se mange. Les constructeurs lâchent pas et changent de l'heure encore une fois. On s'en relance entre nous autres. Faut pogner une grosse. Faut assurer notre place. On voulait gagner. Là, je vais sortir la trôle que mon père m'a donnée pour me porter chance aujourd'hui. Je vais prier les dieux vikings du ciel. Félix, arrière-grand-père, félicitez mon grand-père. Père de Vanto de mon père, aidez-moi aujourd'hui à sortir la wananiche qui me fait gagner ce concours. Grâce à cette trôle qui a été donnée, père en fils, jusqu'à aujourd'hui, à ce concours, je demande votre aide. Et pour l'équipe Jean Canopé, oui. Ça va de mieux en mieux. Nous avons trouvé le bonheur. C'est après la pause que l'on va enfin savoir quelle équipe sera sacrée championne du défi des régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu cherches une place pour prendre du gros doré? Oh, yeah. La pourvoirie du Rapid 7 est le choix numéro 1 du défi des régions. Pourvoirie Rapid 7? Située au bord du majestueux réservoir de sel, la pourvoirie du Rapid 7 offre une qualité d'hébergement exceptionnelle avec de superbes chalets en bois rond et son camping aménagé. Rampe de mise à l'eau pour ton bateau ou location d'embarcation, ajuste bien ton moulinet car c'est à la pourvoirie du Rapid 7 que ton trophée t'attend. On est bien! À deux pas de la route nationale, le centre de villégiature Marina Chibougamau vous offre une nature aussi généreuse qu'accessible. Nos luxueux chalets offrent tous les services dans un confort qui comblera vos attentes. Le centre de villégiature Marina Chibougamau met à votre disposition une rampe de mise à l'eau, un quai sécuritaire ainsi qu'une foule d'activités. En camping, en chalet ou dans notre spacieuse salle de réception avec vue, le centre de villégiature Marina Chibougamau saura vous séduire en toute saison. Plus que 40 minutes au défi. C'est pas chaud et tous les moyens sont bons pour se réchauffer. Sais-tu pourquoi que les girafes font un long coup? Parce qu'ils sentent des pieds. J'ai de la misère à compter, je la trouve trop drôle.
On a eu quelques beaux rayons de soleil qui ont commencé. Le vent a comme diminué un petit peu. Puis là, on s'est dit, écoute, s'il y en avait une, il doit en avoir deux. Le soleil donne de l'espoir. La canne. L'espoir a commencé même à danser. Ouais, j'ai une bonne humeur. Ça faisait ting, 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 ting. Oui. Yes! Il y a un poisson sur la tricheuse et Patrick doit déclencher la ligne. Tu nous as dit de pas sacrer de coups. Mais là, arrête de déclencheur. Si les constructeurs rendent cette voie d'aniche, c'est au hockey qu'on win! Ils prendront une sérieuse option sur la victoire. Pas grave. C'est un petit point dans les dents. Oui! C'est une construction! Ouais! C'est une construction! Bravo, les gars! Elle était sa tricheuse. Il y avait du rose. On a mis du rose partout. Et voilà, point de chat. OK, doux, point de minou. Plus que 15 minutes au défi. On s'en va en direction de la rivière à Saint-Vicien, en trônant tranquillement, en espérant de crocheter une bonne niche de 25 livres. Non. 25 pouces minimum. Canopé, eux autres, ils en ont vraiment une belle. Je mine! Dave, c'est un beau! C'est le plus beau que j'ai vu! Le gin canopé, plus facile à trouver que nous en aller au lac Saint-Jean. Les constructeurs, en ont une autre! Oui. On reste calme, Daniel. Oh non! Ça s'est décroché. C'est plate, mais on respire, Dan. Bon, tape! Avec un peu de canopée, ça va toujours mieux. Là, faut être prêt pour l'année prochaine. Là, cette année, là, on est venu pour apprendre, mais l'année prochaine, là, on est prêt. Là, on n'a pas de temps à perdre. On pratique. Je veux que tu pratiques ton lancer, ton ramenage, ton ferrage de Wananish. Ah oui, mon gars! Oh! Attention! Il est gros, papa! Fais attention, pas les chevilles! Prends ton temps! On va la noyer! Prends ton temps, mon homme! Assoye! Je suis plus capable. Hey, je pense. As-tu pensé à appeler tes morts, Jean-Marie? Oui, j'ai parlé à mes morts. Mais d'après moi, ils sont bien morts. Ils m'écoutent pas cette année, les morts. C'est pas fini! Tant que c'est pas fini! Hop, le poids. Moi, j'ai quoi de mort? Là, on a eu deux petits coups. Deux petits coups. Mais pas de déclenchement. Là, j'ai pris la canne. Oh, le moins! J'ai déclenché la ligne. Bon, il y a de quoi, je pense. Ouais, il y a de quoi, là. Un peu, ouais. Oui, c'est une petite Wananiche. Oui, effectivement. Petite Wananiche. Micro Wananiche. Là, moi, je voulais la décrocher. Oui, on regarde ça, toi. D'accord. Dans le bateau. Bateau. Rentre ça dans le bateau, c'est des points. On l'a mesuré. Mesurait 8 points. C'est 8 points, ça. Alors, mets à l'eau, OK? OK, la gang, on retourne au bord. Cheers to that. Parce que c'est l'heure des résultats! Débutons par notre quatrième position, l'équipe Gin Canopé. Les gars étaient venus pour apprendre et c'est maintenant chose faite. Ils repartent avec une foule de nouvelles techniques en poche et quelques mésaventures qui deviendront d'ici quelques semaines de mémorables histoires de pêche. Bravo, équipe Gin Canopé! Le Gin Canopé, c'est pêché! C'est bien d'adon, on est pêcheurs! En troisième position, l'équipe Camping Saint-Louis. Encore cette année, Jean-Marie a capturé la plus grosse wananiche du défi. La pêche d'aujourd'hui a cependant été plus difficile. Chose certaine, les gars du Camping Saint-Louis sont sympathiques, pas à peu près. Qui a la plus grosse? Qui a la plus grosse? Camping Saint-Louis! Ouais! En deuxième position, les constructeurs. Patrick était là pour gagner et sa technique était très efficace. Malheureusement, un trop grand nombre de poissons perdus leur a coûté la victoire. Restez donc à l'écoute parce que, tel que promis, Patrick va devoir se faire la barbe et tu veux surtout pas manquer ça. Les constructeurs, ça fait! Et pour une troisième année consécutive, nos grands champions défient les régions en région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre du sport Lac-Saint-Jean! L'équipe Centre du sport Lac-Saint-Jean a comme toujours été méthodique et l'expérience de chacun a assurément fait la différence. Mathieu, Marc-André et Frédéric nous ont prouvé encore une fois que... Centre du sport, ça frappe fort!
Bravo à toutes nos équipes qui nous ont fait tout un show. Un gros merci au Domaine des Trois-Îles pour l'hébergement, au dépanneur DM Dolbeau Mistassini pour la nourriture, ainsi qu'à la microbrasserie Riverbend et Gin Canopé pour les breuvages. Et c'est maintenant le temps pour Patrick de tenir parole. Ah! 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 Ah!